Hop. Bonjour à tous et merci d'être présents avec nous sur ce webinaire. Donc, je vais tout de suite démarrer pour me présenter. Je m'appelle Angèle et je travaille donc dans l'équipe des Folies Web. Je travaille à l'organisation de tous ces webinaires et tous ces ateliers. Les Folies Web, qu'est-ce que c'est? On va donc faire une rapide introduction avant de laisser la parole à Simon pour rentrer dans le vif du sujet. Et donc, les Folies Web, on propose des événements web gratuits pour aider les petites entreprises à réussir sur Internet. Nous, notre objectif, c'est vraiment de vous aider, de vous accompagner dans votre lancement sur le web, finalement, dans votre lancement sur votre communication digitale. Et donc, on est présent sous deux formats, donc sous des ateliers présentiels qui ont lieu de partout en France à partir de 18h, 18h30 et qui ont lieu, du coup, en soirée, dans des espaces de coworking, des CCI, des CMA. Voilà, donc ça, c'était avant le Covid-19. On avait des grandes salles bien remplies avec énormément de participants. Aujourd'hui, vous inquiétez pas, on a repris les ateliers. Le premier a eu lieu hier soir avec, bien évidemment, toutes les conditions à respecter. 1 mètre de distance, le masque pour chacun, etc. Vous pouvez venir vous former en toute tranquillité. Il n'y aura pas de souci avec tout ça. Et donc, on a un second format qui est le format sur lequel nous sommes présents aujourd'hui. C'est donc le format webinar sur lequel on vous forme aussi à la communication digitale. Donc, aujourd'hui, le sujet, c'est le référencement naturel. Et donc, voilà, c'est notre deuxième format qui permet pour vous d'être un peu plus présent et d'être en ligne avec nous. N'hésitez pas à vous inscrire donc sur notre site internet lesfolieweb.fr. Sur notre site internet, vous retrouverez tous les prochains ateliers et les prochains webinars sur lesquels vous aimeriez vous inscrire. Et donc, suivez aussi toute notre actualité sur nos réseaux sociaux, Facebook, Twitter et LinkedIn. Et pour tous ceux qui nous rejoignent depuis peu de temps, les Folies Web ont une chaîne YouTube qui s'appelle donc les Folies Web sur laquelle on poste tous nos replays de tous nos webinars. Donc, allez-y, c'est le moment aussi de vous former quand vous avez peu de temps. Et donc, les Folies Web, pour terminer, c'est donc un partenariat avec trois entreprises, Réussir.fr, Yonos et NeoCamino. Ces trois entreprises sont donc nos partenaires qui nous aident dans la réussite des petites entreprises sur le web. Je vais les présenter rapidement. Donc, on a le premier qui est Réussir.fr, qui a été développé par l'AFNIC. Donc, c'est l'Office d'enregistrement des noms de domaine en .fr. C'est-à-dire que c'est tout ce qui gère lesfolieweb.fr sur le net. Voilà. Et donc, 90% de leurs bénéfices sont réinvestis dans la Fondation AFNIC. Fondation AFNIC qui, par la suite, subventionne des projets qui sont très liés avec le web, en fait, des projets pour développer de nouvelles fonctionnalités sur le web et autres. Ils ont donc développé deux choses, Réussir.fr. La première chose, c'est une plateforme de conseils et de témoignages d'entrepreneurs sur lequel il y a parfois des articles aussi de blog de nos intervenants. Voilà, plein de conseils et bonnes pratiques pour les entrepreneurs. Et le deuxième, c'est Réussir avec le web. Donc, Réussir avec le web, c'est un outil d'auto-diagnostic qui vous permet d'évaluer votre présence en ligne et d'avoir un bilan personnalisé. Donc, ça prend à peu près 10 minutes. Et à la fin de ces 10 minutes, vous avez par mail, en fait, un petit bilan de votre présence en ligne et des premières actions à mettre en place pour vous améliorer sur votre présence en ligne. Le second acteur, c'est donc Yonos by OneandOne, qui est arrivé juste avant le Covid dans l'aventure des Folies Web. Donc, Yonos, en fait, soutient l'activité des entreprises avec des offres très spéciales, dont on va en voir une juste après. Ils sont dans l'optique d'aider toutes les entreprises à développer leur présence en ligne pour qu'ils aient une meilleure visibilité et qu'ils aient une présence en ligne beaucoup plus efficace. Ils sont présents dans différents domaines, notamment l'emailing, la gestion des noms de domaine et la création des sites Internet, donc que ce soit site vitrine ou site e-commerce. Et donc, entre Yonos pardon, et les Folies Web, on a développé une offre commune pour les participants qui nous suivent sur les Folies Web. Donc, l'offre, c'est la création de votre site Internet pour 1 euro la première année. Site internet créé avec la plateforme My Website Creator, du coup. Donc, c'est une plateforme hyper intuitive qui a été développée par Yonos. Et donc, avec notre collaboration, on vous propose le site web à 1 euro la première année.
Et enfin, le dernier acteur, c'est Neo Camino. Donc, Neo Camino, c'est une agence de web marketing qui est basée à Lyon. Et donc, elle propose une solution pour développer le chiffre d'affaires des petites entreprises sur Internet. Et donc, elle fonctionne en trois temps. Un premier temps avec un diagnostic qui vous permette… Une personne me dit qu'elle n'a pas de son. Je suis en train de voir, je vais lui répondre. Mais, Donc, un diagnostic… Qui permettent de faire qui vous permettent de voir ce que vous avez déjà fait ou pas fait sur le web et donc quelles sont les actions que vous pourriez mettre en place avec en fonction de vos ressources. Ensuite, il y a donc une solution digitale, donc c'est l'outil Neo Camino qui a été développé et donc c'est un outil qui centralise toutes les actions de communication digitale dans un seul outil, donc tout ce qui est newsletter, référencement naturel, création de site web, etc. Et donc c'est un outil qui vous aide à vous développer sur le web. Et enfin, vous avez une équipe de conseillers qui est présent pour vous aider dans la réalisation de votre plan d'action. Et donc, dans le cadre des Folies Web, encore une fois, Neo Camino et nous avons bâti une offre qui est un rendez-vous offert avec un conseiller web, un rendez-vous de 30 minutes qui vous permettra donc d'évaluer vos ressources, de voir quels sont vos objectifs et comment on peut vous aider à les atteindre. Voilà. Et donc faire un plan d'action avec vous par la suite. J'en ai terminé pour la rapide introduction des Folies Web. Donc, merci à tous d'être présents aujourd'hui. On est plus de 100 personnes. C'est vraiment génial. On vous demande une chose aujourd'hui sur ce webinaire, c'est donc de répondre à notre questionnaire de satisfaction. Questionnaire de satisfaction qui nous permet d'avoir vos retours sur le webinaire, sur les intervenants, sur les Folies Web de manière générale, mais aussi qui vous permettent de recevoir donc le support de présentation à la fin. Je me permets donc vous envoyer le lien dans le chat. Je le rappellerai aussi à la fin de l'événement et puis vous recevrez un mail pour remplir ce questionnaire. Merci beaucoup. Je vais maintenant laisser la parole à Simon. Bonjour, bah merci beaucoup pour cette introduction. Donc, bienvenue. Est-ce que vous m'entendez bien déjà sur le chat? Est-ce que vous avez accès au son et à l'image? Oui, ok. Super, donc bienvenue. Merci d'être présent. On est 100, plus de 100 aujourd'hui. L'objectif de ce webinaire, c'est de vous expliquer comment booster votre site Internet. Donc, je vais vous donner pas mal d'informations, c'est assez important, il y aura pas mal de liens cliquables sur la présentation, voilà, pas mal de choses, on va aller voir plusieurs specs et plusieurs choses sur les sites web et comment booster son site. Donc voilà, n'hésitez pas à remplir le petit questionnaire de satisfaction pour avoir accès à la présentation et aux différentes choses. Je vais le faire pendant à peu près 30 minutes, une présentation 30-35 minutes. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Ça me ferait plaisir que je vais y répondre après. Voilà, vous pouvez les mettre directement ou dans l'onglet questions ou sur le chat. Et j'y répondrai à la fin pendant 10-15 minutes afin d'échanger avec vous. Donc aujourd'hui, on va parler au début, je vais vous parler un petit peu des classiques, des chiffres sur Internet, la toute puissance d'Internet. Bien sûr, après je vais vous expliquer un petit peu plus sur Google, parce que c'est mon métier et c'est là où je travaille, et voilà, quelques chiffres sur Google. Après, je vais vous expliquer comment générer du trafic sur votre site. Quels sont les premiers pas du SEO et comment en fait bien organiser son site, avoir un beau site qui soit bien compris par Google pour justement générer du trafic. Je vais faire un petit focus après sur le contenu, sur l'autorité, le référencement local et à la fin, je vous présenterai la société que j'ai cofondée il y a maintenant 3 ans qui s'occupe de vous aider aussi à avoir de plus de visibilité sur votre site. Donc déjà pour me présenter, donc moi c'est Simon Deboeuf. Moi j'ai été consultant en référencement naturel et en référencement payant en agence et en freelance pendant 5 ans. J'ai travaillé en France, j'ai travaillé aux États-Unis, j'ai travaillé pour pas mal de grands groupes, je travaillais pour Dior, je travaillais pour Yves Saint Laurent, je travaillais pour Bosch, mais j'ai aussi beaucoup travaillé pour des petites structures, des startups, des PME, des restaurants. Donc j'ai une vision assez globale du référencement. Je faisais de la stratégie, mais aussi de l'exécutif, donc du début jusqu'au résultat. Et voilà, donc bien sûr, j'ai toutes mes accréditations Google, mais j'y reviendrai après. Et voilà.
Donc aujourd'hui, pour vous donner quelques chiffres, Internet, c'est quoi? C'est 4 milliards d'utilisateurs dans le monde en 2019. Il faut savoir qu'il y a 85% de la population active qui a fait un achat dans l'année 2019 sur Internet, donc que ce soit un achat de service ou de produit, mais en fait qui est passé par une transaction sur Internet. Donc il faut savoir que c'est quand même très important. Sur l'année 2019, c'est la première fois où on a dépassé les 100 milliards d'euros dépensés en France. Donc on voit cette toute puissance et ce canal qui est Internet et que Google permet sur tous les services, sur tous les produits, sur tout le business national. Une donnée que j'aime bien, c'est que 50% des utilisateurs qui ont fait une recherche web, ils sont allés dans un magasin physique. Donc même aujourd'hui, quand vous avez un magasin physique, bah, il est important d'être présent et d'avoir une visibilité sur Internet pour que des gens vous recherchent et vous viennent dans vos magasins, autre chose comme ça. Donc en fait, aujourd'hui, tout le monde a besoin d'un site web, tout le monde a besoin de visibilité, tout le monde a besoin de notoriété, qu'on ait un magasin physique ou qu'on ait une solution e-commerce ou un site web, il va falloir travailler ce référencement et cette visibilité. Ce qu'il faut savoir, c'est que un site Internet aujourd'hui, c'est vraiment un point de contact, c'est vraiment votre meilleur vendeur. Il est disponible 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, que vous soyez à Paris le lundi matin ou que vous soyez à La Réunion le vendredi soir, votre site est disponible. Et voilà, donc c'est vraiment votre point de contact et votre point de vente le plus important. Donc, il est essentiel d'être trouvable. Et je vais vous expliquer aujourd'hui quelques petites astuces pour justement être mieux vu par Google, mieux indexé et donc avoir plus de trafic sur votre site. Quelques chiffres sur Google qui sont toujours assez impressionnants. Je pense que là, si on fait le test sur les 110 personnes qui sont aujourd'hui sur le webinar, je pense qu'il y en a 105 où le premier moteur de recherche et la première page quand ils ouvrent leur navigateur, c'est Google. Donc aujourd'hui, 97% des recherches et des connexions sur Internet commencent par un moteur de recherche. Donc bien sûr, Google est en grosse majorité avec 93% des parts du marché mondial. Il y en a des petits qui commencent à sortir qui sont pas mauvais, hein, Ecosia, Quant, mais voilà, ça reste quand même assez minime. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'aujourd'hui, toutes les minutes, il y a 3,8 millions de recherches. Ce qui laisse énormément d'opportunités et ce qui laisse énormément de recherches, de résultats différents. Donc, c'est vraiment une grosse, grosse structure Google et on va essayer de voir comment optimiser son référencement sur Google. Donc, juste pour vous expliquer un petit peu qu'est-ce que le SEO. Donc, le SEO, donc le référencement naturel, c'est un ensemble de techniques qui va permettre d'optimiser la visibilité de votre site. Ça va permettre d'optimiser votre indexation, votre classement sur la SERP. La SERP, c'est tous les résultats de Google en améliorant. Plus vous allez être compréhensible par Google, plus Google va avoir une meilleure compréhension, une visibilité sur votre activité, votre secteur, vos produits, vos services, plus vous allez avoir en fait de chances d'être indexé et de remonter. Donc voilà, le SEO, c'est l'ensemble des techniques qui permettent de mieux être référencé, donc d'avoir plus de trafic et donc potentiellement plus de leads ou plus de conversions. Donc le SEO, c'est quoi? C'est être trouvé sur Google. Une donnée qui est très importante et qu'il faut bien comprendre aujourd'hui, c'est que 92% du trafic est concentré sur la première page de Google. D'où l'importance de au moins ressortir sur son nom, de au moins ressortir sur quelques mots-clés qui sont proches de son activité, de son secteur, de ses projets. Parce que les gens, en fait, ils ne vont pas souvent en page 2, en page 3, en page 4. Il y a une blague de référenceur qui dit comment est la meilleure façon de cacher un corps, c'est en troisième page de Google. C'est une blague, mais c'est un peu vrai. C'est-à-dire que 92% du trafic, on va pas plus loin que la première page, mais encore plus, 60% du trafic et des clics sont sur les trois premiers liens. D'où l'intérêt de bien travailler son référencement, d'essayer de sortir sur ces premiers liens et de répondre aux exigences de Google afin d'être mieux visible. Et quelque chose qui est très important et ce qu'il faut comprendre, et s'il y a une seule chose à comprendre de ce webinar, c'est que tout site est égal par rapport à Google. En fait, Google, son vrai intérêt et son vrai objectif, c'est de plaire à l'utilisateur. Ce qu'il veut, c'est que l'utilisateur soit content. Pourquoi? Parce que si l'utilisateur soit content, il va revenir sur Google. Donc, en fait, il veut que quand la personne va chercher, que ce soit des chaussures, un voyage, un taxi, en fait, il faut qu'il trouve la solution rapidement et c'est vraiment l'objectif de Google. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que chaque site, si vous répondez bien aux exigences de Google et aux attentes utilisateurs, vous avez autant de chances de sortir en première position que vous appelez
Conforama et que vous ayez vendu des canapés en cuir à des milliers de personnes, ou vous êtes une petite société qui vend un seul canapé en cuir, mais qui répond aux attentes de Google et aux attentes des utilisateurs, vous allez avoir la même chance de ressortir sur des requêtes, par exemple canapé en cuir bleu, si vous vendez ce canapé. Donc voilà, tout le monde a la même chance de résultat, il n'y a pas de favoritisme, suffit justement de bien de répondre aux critères de Google. Aujourd'hui, et depuis notamment surtout le nouvel algorithme qui s'appelle BERT, qui a été officialisé en novembre 2019, Google va faire très attention justement à cette expérience utilisateur. Va regarder comment se comporte l'utilisateur sur votre site, va regarder est-ce que l'utilisateur reste longtemps, toutes ces choses-là. Et en fait, en essayant de bien comprendre et en respectant ces règles, vous aurez vraiment des opportunités pour remonter sur Google et donc apporter du trafic sur votre site. Donc là, je vais essayer de vous résumer assez, si j'ai schématisé, hein, bien sûr, mais vous expliquer ce que c'est que le SEO. Après, on partira sur chacun de ces piliers pour avoir plus d'optimisation et vous expliquer comment les travailler. Donc aujourd'hui, le référencement, de façon schématisée, c'est trois grands piliers. Le premier pilier, très important, c'est tout ce qui va être la conformité technique. Qu'est-ce que j'entends par conformité technique? Bah, c'est tout simplement d'avoir un site qui est performant, d'avoir un site qui marche sur mobile, c'est d'avoir un site qui aura un balisage où Google va comprendre quel est le secteur, quelle est l'activité, quel est le service, quels sont les objectifs du site. Donc ça, c'est tout ce qui est conformité technique et il y a plusieurs critères qui rentrent en jeu. Il y a près de 200 critères. Je vais pas tous les énumérer parce que ça serait un peu long. Mais voilà, en tout cas, c'est d'avoir un site conforme aux exigences et aux guidelines de Google. C'est à peu près 30% de votre référencement et ça a un véritable impact sur votre classement. Deuxième pilier qui est important aussi, c'est tout ce qui va être le contenu. Donc, le contenu, j'y reviendrai après, mais le contenu, c'est tout simplement avoir du contenu qualitatif sur votre site, du contenu qui intéresse l'utilisateur. On va parler aussi de architecture de contenu, d'architecture de contenu, de qualité de contenu, de récurrence de mots-clés. Mais voilà, en tout cas, travaillez votre contenu. Ne faites pas de duplicate contenu, de duplicate content. Donc, c'est-à-dire prendre du contenu sur d'autres sites et le mettre sur votre parce que Google va le voir et il déteste ça. Mais voilà, travaillez votre contenu, travaillez bien les wordings, regardez, ciblez les mots-clés. On y reviendra après sur lequel vous avez du potentiel. Mais voilà, travaillez votre contenu, essayez de faire quelque chose de qualitatif. C'est pareil, essayez d'avoir une récurrence de contenu, c'est important. En fait, Google, s'il voit que le site, il y a à peu près toutes les semaines, je vais pas vous dire de mettre trois articles par semaine, mais un article toutes les deux semaines, bah, tout simplement, Google va voir qu'il y a un humain derrière le site, que le contenu, il y a du contenu qualitatif qui arrive et du contenu qui peut intéresser les utilisateurs. Donc, s'il voit qu'il y a ça, il peut vous aider pour le référencement et vous indexer. Donc, deuxième pilier, le contenu. Troisième pilier, tout ce qui va être l'autorité. Donc, l'autorité, c'est par exemple vous qui êtes entrepreneur, avez une start-up, il y a une activité ou des choses comme ça. Imaginons si Le Monde .fr fait un article vers vous et vous envoie un lien, alors, tout simplement comme Google a une confiance envers lemonde.fr, et bien, il va se dire, mais comme lemonde.fr envoie un lien vers le site, bon, je vais prendre l'exemple d'Octopulse pour nous, ben, en fait, tout simplement, il va dire, ben, comme je fais confiance à lemonde.fr, je peux tout simplement faire aussi confiance à Octopulse et donc, je peux aider aussi à mon indexation. Donc, ça, c'est aussi 30% de votre référencement. C'est toutes les sources qui vont parler de vous. Donc, ça peut être les pages jaunes, ça peut être le site de votre mairie, ça peut être un article de presse, ça peut être un partenaire. Et en tout cas, Google va regarder combien de sources externes parlent de vous, quelle est la qualité des sources aussi intervient, mais ça, on y reviendra après. Mais en tout cas, très important d'avoir des liens et d'autres sources qui parlent de vous, qui pointent vers votre site, tout simplement pour augmenter l'autorité et accroître votre notoriété sur Google. Donc, si on fait le calcul, là, ces trois grands piliers qui sont la mise en conformité technique, le contenu et l'autorité, ça fait 90%. Mais tout ça, c'est régi par l'expérience utilisateur. Comme je vous l'ai dit, notamment depuis l'algorithme BERT, aujourd'hui, Google va faire une ascension et en fait, son objectif, c'est que l'utilisateur soit content. Donc, tout ça ne peut pas fonctionner si votre utilisateur s'en va directement de votre site, si votre utilisateur ne voit pas du contenu de qualité, des choses comme ça. Mais en tout cas, l'analyse et la data que va prendre Google sur l'expérience utilisateur a un impact aussi très fort sur votre référencement. Un acteur qui rentre en jeu aussi, qui est assez fort, c'est tout ce qui est référencement local. J'y reviendrai aussi. Mais en fait, c'est être présent dans votre zone de chalandise. C'est très important. Et là, il y a plusieurs techniques que je vais vous donner à la suite pour travailler ça. Une donnée que j'adore et qui est super importante, c'est que 90% des recherches, elles ne sont pas relatives à une marque. Donc, en fait, tout se joue sur le positionnement. En fait, moi, encore une fois, je vais reprendre l'exemple de Conforama. Si je cherche un canapé en cuir bleu, ben, je ne vais pas taper Conforama, canapé en cuir bleu.
je vais tout simplement taper canapé en cuir bleu, pas cher, Paris. Et là, en fait, je vais retomber. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que 90% des recherches ne sont pas brandées, il n'y a pas de marque dedans. Donc, c'est-à-dire que vous avez autant de chances que les gros majeurs, que ce soit Amazon ou que ce soit… Parce que, en fait, tout simplement, comme Google, il n'y a pas de marque dans cette requête, bah, tout simplement, il peut aussi bien vous proposer votre site en première position que le site, le gros, qui est votre concurrent. Donc, voilà, tout va se jouer sur le positionnement et il y a énormément de choses à faire. Donc, il suffit juste de bien travailler et de répondre aux exigences de Google. Donc, pour vous expliquer au début comment travailler son SEO, la base du SEO, c'est d'aller chercher des mots-clés sur lesquels on a un potentiel. Qu'est-ce qu'un potentiel? C'est d'avoir un volume de recherche sur ce mot-clé-là et aussi un indice de concurrence qui n'est pas trop fort. Donc là, je vous ai pris un exemple. Aujourd'hui, achat gel hydroalcoolique. Cette requête, si vous vendez du gel hydroalcoolique, hein, c'est un petit peu d'actualité aujourd'hui, si vous vendez ça, ça va être assez compliqué aujourd'hui de tomber sur achat gel hydroalcoolique. Pourquoi? Parce que vous voyez que c'est discount, le premier résultat qui est en dessous, lui est là déjà depuis une position longtemps, ils vont travailler leur SEO, ils vont avoir du contenu qualité, ils vont avoir des liens qui pointent vers eux. Donc, c'est assez compliqué de ressortir sur des requêtes très précises comme ça qu'on appelle short trend. Là où je vais vous conseiller, c'est d'aller chercher en fait des requêtes un peu plus longue trend où en fait il y a quand même du volume, il y a quand même du potentiel, mais il y a tout simplement moins de concurrence. Donc là, pour ça, c'est assez simple. Je vais vous donner plusieurs techniques pour aller chercher ces mots-clés-là, mais essayez pas de vous positionner. Pareil, si je prends un exemple, si vous vendez, vous avez un garage, vous n'allez pas essayer de vous positionner sur voiture d'occasion. Pourquoi? Parce que vous allez avoir la centrale, vous allez avoir Réseaucar, vous allez avoir plein de sites qui vont parler de voitures d'occasion. Mais par contre, si vous avez un garage dans le 14e arrondissement, vous allez pouvoir travailler sur voitures d'occasion, garage Paris, spécialisé BMW. Donc, vous aurez peut-être moins de volume que sur voitures d'occasion, mais par contre, vous allez répondre assez précisément à des requêtes précises d'utilisateurs et donc satisfaire l'utilisateur et donc remonter vis-à-vis de Google. Donc, une des techniques pour aller chercher des mots-clés un peu plus longue traîne et qui est très simple, c'est que vous avez juste à taper le mot-clé qui vous intéresse en short traîne dans Google et vous descendez votre page et vous avez les recherches associées. Donc là, par exemple, les recherches associées, c'est des recherches qui sont propres, qui sont les mêmes proches, qui sont le même univers sémantique, mais qui vont être plus faciles d'accessible. Donc, par exemple, achat gel hydroalcoolique, là, vous allez pouvoir trouver achat gel hydroalcoolique en gros, achat gel hydroalcoolique Paris, achat gel hydroalcoolique pas cher Paris. Et c'est là, en fait, où il va falloir essayer de travailler sur ces expressions-là plutôt qu'essayer de se positionner sur achat gel hydroalcoolique parce que vaut mieux répondre même à un petit volume de recherche, mais avec une véritable, où vous êtes vraiment en première position, plutôt qu'essayer de se positionner sur achat gel hydroalcoolique et vous allez être en deuxième ou troisième page. Et si je vous rappelle des stats que je vous ai dit, vous avez très peu de chances d'avoir du trafic sur votre site. Donc, je vais vous donner 5 techniques aujourd'hui pour aller chercher justement des mots-clés qui sont proches de votre secteur, mais où il y a moins de concurrence. Donc, la première technique, celle que j'utilise beaucoup et qui est beaucoup prise par les référenceurs, c'est d'utiliser les recherches associées sur Google. Donc, vous allez taper « voiture d'occasion » si vous avez un garage. Ils vont vous montrer « voiture d'occasion Nissan »,« voiture d'occasion pas chère ». Là, vous allez prendre. Et ça, vous pouvez le faire au carré, au cube. En fait, vous pouvez le faire à la puissance que vous voulez. Et ça va vous permettre d'avoir plusieurs requêtes qui sont quand même recherchées par Google parce que Google les propose en similar queries en bas. Mais tout simplement, ça va vous permettre de trouver des requêtes où il y a plus de potentiel pour vous de se positionner. Si vous avez un produit e-commerce ou des choses comme ça, c'est aussi intéressant d'aller par exemple sur Amazon et sur eBay. Simplement, vous allez taper votre produit et vous allez voir des requêtes un peu plus longues. C'est le nom de votre produit. Par exemple, vous vendez des ventilateurs, ça va être ventilateur à main, pas cher, pareil. Et là, en fait, vous allez aussi pouvoir voir quelles sont les requêtes d'Amazon, quelles sont les requêtes d'eBay qui ressortent le plus. Et tout simplement, vous allez pouvoir organiser votre univers sémantique. Il y a une technique qui est sympa aussi à utiliser, c'est d'aller chercher des expressions de longue traîne sur les forums. Donc ça, il vous suffit de taper in URL .forum plus et l'expression de votre choix, par exemple voiture d'occasion. Et là, en fait, vous allez avoir la liste de toutes les requêtes qui sortent sur les forums. Donc ça veut dire que les gens qui utilisent ça sur les forums, tout simplement, c'est des gens qui peuvent potentiellement les rechercher après sur le web. Et donc ça va vous permettre de donner plus d'idées, plus d'informations pour justement créer votre stratégie et créer les mots-clés sur lesquels vous souhaitez remonter. Une technique 4 que j'aime bien, c'est d'utiliser le site Answer the Public. En fait, tout simplement, c'est un site qui va regrouper toutes les questions qui viennent d'un mot-clé. Par exemple, voiture d'occasion, je vais reprendre. Voiture d'occasion, ça va être comment acheter ma voiture d'occasion? Comment avoir le meilleur prix sur ma voiture d'occasion?
quel est le prix d'une voiture d'occasion X. Et en fait, tout ça, ça va vous permettre, vous aussi, de peut-être proposer du contenu qui répond à ces questions-là. Parce que si vous voyez que, en fait, des gens posent ces questions, c'est-à-dire qu'il y a un potentiel. Et donc là, vous allez pouvoir essayer de remonter sur ces requêtes pour justement travailler, avoir du trafic et donc des personnes qui viennent sur le site. Enfin, une des techniques qui est assez puissante aussi, qui va être Google Trends. Donc, Google Trends, c'est à la base un outil qui est produit par Google qui permet de savoir un peu les volumes de recherche. Donc, vous allez savoir s'il y a 2000 recherches par mois ou s'il y en a 70 millions. Donc là, en fait, et après, vous avez un sous-outil de cet outil qui s'appelle Google Trends, qui s'appelle les requêtes associées. Vous mettez votre mot-clé et ça va vous sortir tout simplement les requêtes associées qui sortent dessus. Donc ça, c'est aussi intéressant. Donc voilà, tous ces liens, ils sont accessibles sur la présentation. N'hésitez pas à répondre à l'enquête de satisfaction pour avoir accès justement à cette présentation. Google Trends, c'est gratuit, ouais. Alors, nous, par exemple, pour vous expliquer comment on a fait, c'est que nous, chez Octopulse, on est on développe depuis 3 ans un outil, je reviendrai après sur Octopulse, mais on développe un outil qui permet d'automatiser et de travailler sur tout ce qui est visibilité, sur le SEO, le SIA. Mais nous, on n'a pas voulu se positionner sur meilleure agence SEO. Déjà, on n'est pas une agence, on est plutôt un SaaS outil. Mais en fait, c'est très compliqué parce que très concurrentiel. Pourquoi ? Parce qu'il y a des agences qui sont là, qui sont très bonnes, hein, Eskimos, Effilab, toutes ces agences qui sont un peu historiques, qui ont, eux, travaillé leur SEO. Donc, eux, ils sont positionnés sur agence référencement, agence SEO. Donc, nous, par exemple, on est allé chercher une requête. On a vu qu'il y avait du potentiel sur Guide SEO 2020. Et donc, tout simplement, nous, on a travaillé une page qui s'appelle notre guide SEO où, justement, on ressort en première position parce qu'on a vu qu'il y avait quand même du trafic. Et aujourd'hui, cette requête nous apporte entre 20 et 40 utilisateurs, par utilisateur, trafic sur le site tous les jours. Donc, voilà. Nous, en fait, il faut parfois aller chercher des requêtes un peu plus accessibles, un peu plus faciles à aller chercher et se positionner en première position plutôt qu'aller chercher des choses très compliquées où il y a beaucoup de concurrence, où il y a énormément d'ancienneté, beaucoup de backlink, des choses comme ça. Ça va vous permettre justement de ressortir. Et donc, voilà, il y a plusieurs guide netlinking aussi. Voilà, toutes ces choses-là, nous, on les a travaillées. Bon, c'est notre métier, bien sûr, mais on les a travaillées pour aller sortir en première position et c'est pour montrer que c'est possible de ressortir même quand on n'a que 2 ans d'ancienneté. Donc, ce qu'il faut savoir en SEO, c'est que dans les années 2000, j'ai pas commencé dans les années 2000, mais ça fait près de 9 ans que je fais du SEO quand même. Avant, avec un bon nombre de domaines, un contenu truffé de mots-clés, avec une récurrence très forte de mots-clés et des liens qui venaient souvent des annuaires d'Inde ou de Russie, on arrivait à remonter. Aujourd'hui, en fait, avec Google Panda, Google Pingouin, les filtres, les pénalités, c'est devenu un peu plus complexe. C'est une démarche qu'il faut travailler en fait sur le moyen long terme. Mais voilà, après, c'est des résultats. Ce que j'aime bien dire, c'est que le SEO, en fait, c'est tout simplement votre commercial qui est gratuit aussi. Parce qu'une fois que vous êtes bien positionné sur une requête, tout simplement, ça vous apporte du trafic. Et donc, le travail qui est un peu long aujourd'hui à mettre en place, il aura des résultats dans 3-4 mois. Mais après, c'est très périn parce que tout simplement, ça, vous n'êtes pas vous ne devez pas payer d'achat média ou des choses comme ça pour avoir du trafic. Donc, pour vous expliquer que la mise en conformité, le premier pilier, donc il y a près de 200 critères. Donc là, je ne vais pas vous expliquer tous les 200 critères, ça serait trop long et ce serait horrible pour vous. Mais je vais vous dire les plus importants. Et voilà. Donc, d'une chose, déjà, avoir une URL propre et optimisée. Qu'est-ce qu'une URL propre ? C'est tout simplement essayer de ressortir sur votre secteur, essayer d'avoir en fait pas de points d'interrogation, de chiffres et tout. Essayer d'avoir des URL clean. Pourquoi ? Parce que c'est une des premières choses que les robots Google viennent analyser. Et donc, cette URL, elle va permettre déjà à Google d'avoir une première vision, un premier constat de quelle est votre activité. Après, il faut pas savoir, nous, on est Octopulse et il n'y a rien de SEO dedans et pourtant, on ressort quand même sur des requêtes. Donc, c'est pas quelque chose qui est indispensable et tout, mais ça rapporte quand même une valeur ajoutée. Et c'est pour ça que nous, le Octopulse / guide SEO, on a bien mis guide SEO et on n'a pas mis référencement naturel le guide parce que si on voulait remonter sur guide SEO. Essayez d'avoir aussi une architecture claire. Donc, qu'est-ce qu'une architecture ? Il faut que sur votre homepage, par exemple, ou votre page produit, il ne faut pas que vous passiez, si vous avez 3-4 produits, à un produit et après un service et après à
à une prise de contact. Pourquoi ? Parce que plus la page sera claire, plus elle sera organisée, plus Google va comprendre, plus l'utilisateur va comprendre. Et on revient toujours sur le fait que bah, si Google comprend mieux, vous êtes mieux indexé. Et si l'utilisateur comprend mieux, il va rester plus longtemps. Donc voilà, ne passez pas à vendre un sofa et des chaussures sur la même page. Vous pouvez vendre les deux sur le même site. Mais par contre, le sofa, il faut avoir une page bien dédiée pour le sofa et une page bien dédiée pour pour les chaussures. Travaillez aussi la performance de votre site, tout simplement, très important. Maintenant, on sait qu'aujourd'hui, les gens, ils ne veulent pas attendre quand ils sont sur Internet. Donc aujourd'hui, travaillez votre chargement, travaillez votre performance, ayez un site rapide. Il y a des plugins, il y a plein de choses. Si vous avez des CMS, Yonos le propose aussi, WordPress ou Presta, ou voilà, tous ces là ont des plugins, des choses qui permettent d'améliorer la performance. Et la performance, c'est quelque chose qui est vraiment pris en compte par Google parce que tout simplement, encore une fois, il veut plaire à l'utilisateur et il veut pas que l'utilisateur attende plus de 3-4 secondes son site. Donc voilà, on parle de 0,2 millième de seconde pour être vraiment au mieux. C'est assez compliqué de l'obtenir. On peut le faire, mais ça reste compliqué. Mais voilà, essayez au moins d'avoir un site qui charge assez rapidement. C'est quelque chose de crucial. Travaillez bien vos images, images de qualité, images uniques et optimisées. Pareil, on va essayer de pas d'avoir des images énormes qui prennent trop de temps à charger. C'est quelque chose qui est important. Là, bien sûr, être compatible mobile et tablette, bah, on sait qu'aujourd'hui, 60% du trafic vient des mobiles. Donc, si votre site n'est pas responsive, vous allez perdre en crédibilité et Google va vite vous blacklister. Enfin, travaillez tout ce qui est meta-title, meta-description. Donc ça, c'est tout le balisage de votre site. J'y reviendrai un peu pour vous expliquer juste après le slide. Mais en tout cas, il faut que chaque page ait en fait une requête. C'est un peu, je schématise encore un peu, mais il faut qu'il y ait réponde à une requête à un mot-clé sur une des pages, une autre page qui répond ça. Plus ça va être compréhensible par les robots Google, plus vous aurez de chances de remonter sur les résultats. Donc là, pour vous expliquer un petit peu mieux ce que c'est que le balisage, c'est tout ce qui va être meta-title et meta-description. Donc ça, en fait, c'est les informations, les premières informations que Google vient de checker quand il passe sur le site. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que Google, tous les jours, il envoie des milliers de robots sur chacun des sites. Et les choses qu'il vient de checker, c'est le code. Donc, le code, ça va être toutes les informations du web, mais qui sont pas visibles sur le contenu. Donc là, en fait, travaillez vos balises, travaillez vos méta-descriptions. Ça va vous permettre, en fait, d'être mieux compris, d'être compris plus rapidement par Google. Nous, par exemple, aujourd'hui, notre homepage, c'est la meilleure solution pour booster votre trafic. Pourquoi on a choisi ça? On n'a pas choisi l'agence de référencement à Paris ou l'agence de référencement en France. C'est que on a vu que booster votre trafic, il y avait un potentiel. Il y a des gens qui tapent booster votre trafic et solution booster votre trafic, c'est quelque chose qui est sémantiquement assez viable par rapport à Google. Donc nous, on a travaillé justement sur cette title pour remonter sur cette requête. Donc voilà, essayez d'aller chercher un peu plus loin, ne faites pas des choses trop simples pour où c'est trop concurrentiel, mais essayez d'aller chercher des mots-clés, aller chercher des expressions qui sont intéressantes via les outils que je vous ai donnés. Donc pour comprendre, la balise title, c'est vraiment le titre de la page qui est dans le code et qui a une vraie impact SEO. La méta description, c'est, vous savez, les petits résultats qui arrivent en noir en dessous. Donc c'est quand même scanné par Google, ça a quand même une importance, mais c'est plus, ça va chercher plus en fait à essayer de faire cliquer l'utilisateur. Donc essayer de trouver des verbes d'action, essayer de trouver des choses qui donnent envie de cliquer sur cette chose-là. Bien sûr, en utilisant toujours un peu des mots clés. Donc on a mis trafic, amélioré, Octopulse, qui sont quand même des mots clés importants pour nous. Mais voilà, essayer de rendre ça en fait plus sympa, plus accessible pour les utilisateurs avec quelque chose d'un verbe d'action, découvrez nos produits spécialisés dans les ventilateurs, les canapés, bref, en fonction de votre activité. Mais voilà, essayez de travailler bien ça. Et encore une fois, ça va vous permettre de fournir des informations à Google et aux internautes et surtout travailler bien un balisage propre et unique pour chacune de vos pages. Là, c'est juste pour vous montrer un de nos clients qui est un peu un client historique qui propose des vêtements écologiques. Il n'avait pas travaillé du tout tout ce qui était title et méta-description. On a fait juste, il a mis en conformité par rapport au balisage cette mise en conformité technique. Et vous voyez que son trafic fait une courbe. Et là, aujourd'hui, maintenant, ils font encore beaucoup plus de trafic et ça fonctionne bien. Donc, parfois, juste des petites optimisations techniques, ça peut vous apporter énormément de trafic, une meilleure compréhension par Google et donc beaucoup plus de conversions et de clients chez vous. Donc, on a parlé de la mise en conformité technique. Si ça vous intéresse, je pourrais, n'hésitez pas à me poser des questions plus tard ou des choses comme ça. Il y a plein de choses dans la mise en conformité technique. J'ai essayé d'être un petit peu schématique pour vous pour que ça soit mangeable, on va dire, pour le webinar. Mais il y a plusieurs autres choses qui rentrent.
j'y reviendrai après et comment on peut vous aider aussi peut-être avec Octopus. Au niveau du contenu, très important, il faut essayer de cibler les bons mots-clés. Donc, encore une fois, ciblez plutôt la longue trend, sauf si vous êtes un acteur majeur, vous êtes les seuls sur votre marché, par exemple, à proposer une serrure connectée ou je sais pas, bref. Là, vous pouvez aller travailler sur des mots-clés assez précis. Mais sinon, essayez de cibler la longue trend, ça va vous permettre d'aller chercher des requêtes plus accessibles. Ayez une récurrence des mots-clés dans le contenu, dans les balises. Donc, il faut que le mot-clé sur lequel vous ayez de vous positionner, il se retrouve dans votre titre, il se retrouve dans votre descriptif, dans votre paragraphe 1, dans votre conclusion, dans votre meta-title. Voilà, pour qu'en fait, Google comprenne que vous donnez un expert de ce mot-clé-là et vous faire remonter. C'est intéressant aussi de créer des infographies. Pourquoi ? Parce que c'est assez visible, assez visuel et les utilisateurs aiment bien. Donc, voilà, n'hésitez pas à créer du contenu infographique, voilà, des contenus un peu médias sympas, vidéos, photos, des choses comme ça. C'est toujours important. Quelque chose qui peut être intéressant aussi, c'est de rafraîchir ses anciens contenus. En fait, Google aime bien voir qu'il y a un humain. Excusez-moi. Aime bien voir un humain qui est derrière le site. Donc, travaillez vos contenus et rafraîchissez vos anciens contenus. Si vous avez des données, remettez les données 2020. Si vous avez des choses comme ça, voilà, n'hésitez pas à rafraîchir du contenu. Ça va redonner un peu de power à votre site et ça va vous permettre justement d'être mieux vu par Google. Donc, encore une fois, proposer de la qualité et de la quantité. Donc, oui, 2 billets par semaine, ça serait super d'avoir, si vous avez une stratégie de blog, d'avoir 2 articles qui viennent par semaine. Après, je sais que c'est compliqué. Enfin, Google va préférer qu'il y ait une récurrence. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas faire un article de 800 mots et après plus rien faire pendant 2 mois. Parce qu'en fait, Google, il va dire, bah, c'est pas très qualitatif. Alors que si vous avez un article toutes les 2 semaines de 300 mots, mais par contre, il y a une récurrence, vous positionnez. Là, en fait, Google va voir que, bah, il y a une valeur ajoutée pour l'utilisateur parce qu'il y a de l'information qui arrive. Et donc, voilà, travailler sur de la quantité, mais surtout de la qualité et essayer d'avoir une récurrence, c'est important. Encore une fois, ne faites pas surtout de contenu dupliqué, que ce soit en interne sur votre site ou en externe via d'autres sources. Google déteste ça et risque de vous blacklister. Et il n'y a rien de pire que se retrouver en 25e position quand vous étiez proche de la première page. Pour aller plus loin pour le contenu, vous pouvez faire du guest blogging, c'est-à-dire ouvrir votre blog à des gens qui sont dans le même secteur que vous. Vous leur proposez d'un article, ils vont souvent vous demander un lien vers leur site, vous pouvez le faire. Ça va permettre, vous, de publier du contenu et ça va vous permettre, encore une fois, d'augmenter votre univers sémantique et de grossir vis-à-vis de Google. L'outreach marketing, c'est des partenariats avec des blogueurs et des gens de votre secteur. Donc ça, je ne vais pas vous apprendre ce que c'est. Mais voilà, tout simplement, essayez de faire intervenir des influenceurs sur votre site. Essayez de faire intervenir des blogueurs qui ont une valeur ajoutée sur votre activité, sur votre site. Ça a apporté du contenu. Vous leur faites la même chose sur leur site. Comme ça, vous avez un échange de contenu. Vous n'avez pas de duplicate et c'est intéressant. Enfin, quelque chose qui est complètement annexe, mais qui fonctionne bien, la newsletter. Bon, on connaît tous, on n'aime pas trop être sollicité par des newsletters, mais il y a quand même pas mal de... il faut une base de données, bien sûr, mais il y a quand même pas mal de bons retours. Donc, dans cette newsletter, il y a des objets attractifs. Bref, un site est assez rapide. Et en tout cas, voilà, ça peut vous permettre de travailler votre contenu et d'avoir un peu de visibilité. Donc là, aujourd'hui, ce que je vous propose, c'est que nous, chez Octopulse, on est en train de développer un outil. On est encore en phase de développement. Ça fait, j'ai 5 développeurs qui travaillent dessus depuis 5 mois. C'est un outil qui va permettre d'optimiser votre contenu. Donc, tout simplement, là, vous avez accès gratuitement pour le moment. On est en version de bêta test. Donc, n'hésitez pas à vous inscrire sur ça. Vous pourrez tester l'outil. Et cet outil, en fait, va vous dire, dans cette title, rajoutez ce mot-clé-là pour être meilleur. Nous, comment on fonctionne? C'est un petit peu technique, mais on va scraper. On va aller voir les pages au-dessus, pourquoi elles sont mieux référencées, quelle est la récurrence de leurs mots-clés, quel est le mot-clé qu'ils ont utilisé, tout ça. En fonction de ça, notre algo va aller choisir les mots-clés sur lesquels vous positionnez et vous allez avoir des insights, vous allez avoir de l'aide pour améliorer votre contenu. Donc voilà, n'hésitez pas à vous inscrire sur là, c'est gratuit pour le moment, ça sera payant dans 3-4 mois. Donc voilà, pour optimiser votre contenu, c'est un outil qui marche bien. Un CTA, Agnès, c'est un call to action, c'est un bouton avec, par exemple, demander un devis ou des choses comme ça. Alors, pour reprendre un petit peu, aujourd'hui, donc le SEO, c'est être conforme techniquement, comme je l'ai expliqué, avoir un contenu riche et pertinent et de qualité, très important, le contenu. On n'y fait pas souvent assez attention, mais c'est quelque chose qui a une vraie valeur ajoutée, et être digne de confiance. Donc, qu'est-ce qui est digne de confiance? Comme je l'ai expliqué au début, donc c'est avoir des backlinks, c'est avoir des liens qui pointent vers votre site. Donc, tout simplement, il faut des liens vers des sites qui sont idéalement du même secteur, où il y a un article qui parle de vous et en fait avec un lien qui pointe vers votre site.
Google, en fait, va énormément prendre en compte les autres sources qui parlent de vous. Va aller regarder le nombre de liens, la qualité des sources. Et ça va déterminer votre positionnement. Donc, travaillez bien vos backlinks. Demandez à vos partenaires, demandez à la mairie de votre ville, demandez à des choses comme ça. Ça peut vous permettre d'avoir une vraie meilleure indexation et c'est assez puissant. Aujourd'hui, il y a pas mal d'échanges de backlinks qui existent. Donc, faites ça toujours bien avec bonne intelligence pour comprendre et regarder ces échanges de backlink. Vous avez des outils qui vous permettent justement de savoir quel est, en fait, il y a deux KPI qui permettent de comprendre si le site est trust par Google. Les backlinks, c'est ce que je vous expliquais, c'est des liens qui pointent vers votre site via d'autres sources. Par exemple, lemonde.fr qui va vous faire un lien et qui va vous envoyer sur le site. Donc voilà, faites des échanges de backlinks, cherchez des backlinks où il y a une proximité sémantique. Cette proximité sémantique, il faut le plus, ça sera dans le même secteur, Google va mieux comprendre votre univers. Et voilà. Diversifier au maximum les sources. Donc c'est sûr que c'est bien d'avoir un annuaire, d'avoir un site spécialisé, d'avoir toutes ces choses-là. Ça peut être puissant. Les annuaires, les sites de référencement, les forums, les blogs. Voilà, essayez d'avoir plusieurs sources différentes qui parlent de vous. Très bien. Et pour mesurer ça, vous avez l'outil Google Search Console ou l'outil Majestic qui permettent justement de savoir quelle est la qualité de ces liens. On a aussi un outil de suivi de position sur Octopus, mais j'y reviendrai après, qui peut vous aider justement à savoir quel est votre positionnement. Donc là, je vais vous donner deux outils qui sont indispensables pour travailler votre SEO et en fait avoir une meilleure vision de comment se comportent vos utilisateurs sur le site, d'où viennent vos utilisateurs. Donc la base de la base, le Pandore de tout référenceur, c'est Google Analytics. C'est un outil gratuit qui permet justement d'analyser comment se comportent vos utilisateurs sur le site, le temps qui reste, le nombre de pages qu'ils vont voir. Ça va permettre de savoir aussi comment les interactions sur le site, sur quelle page ils restent le plus longtemps, est-ce qu'ils ont cliqué sur ce bouton, voilà, toutes ces choses-là. Donc ça va vous permettre, vous, d'analyser et d'orienter votre stratégie digitale. Ça enregistre toutes les actions et les informations relatives aux visiteurs, tout ça sous forme de tableau graphique assez propre et ça permet surtout quelque chose, ça permet de créer des objectifs sur votre site. Donc, par exemple, un objectif, ça peut être que la personne, bien sûr, fasse un achat si vous avez un site e-commerce ou tout simplement une personne reste 2 minutes, 3 minutes sur le site, ça peut être un objectif. Et donc, vous, en fait, ça va vous permettre de mieux piloter, de mieux comprendre. Plus vous avez des objectifs précis, plus vous savez où vous voulez aller, plus vous aurez de chances de mieux piloter, de mieux comprendre votre site. Il faut juste informer les utilisateurs. Enfin, je répondrai aux questions après, je suis un peu désolé. Donc, ça utilise les cookies. Il faut informer vos utilisateurs, ne vous inquiétez pas. Dès que vous installez Google Analytics, c'est quelque chose qui est directement prévu via le logiciel. Deuxième outil très important pour le référencement, c'est Google Search Console. Donc, anciennement, c'était Webmaster Tools. C'est un outil qui est en fait prédisposé plus aux administrateurs et ça va vous permettre de comprendre sur quel mot-clé vous êtes positionné aujourd'hui. Combien de temps le robot est venu sur votre site, quelle page il a visité, toutes ces choses-là. Et en fait, il y a des infos qui vont vous permettre après d'optimiser votre présence sur Google, de forcer l'indexation. Ça va aussi vous suggérer des améliorations sur votre site. C'est très complémentaire à Google. C'est un outil un petit peu plus technique, mais c'est un outil indispensable et qui permet d'être dans l'écosystème de Google. Donc là, je vais vous parler du référencement local. Qu'est-ce que le référencement local ? C'est une technique qui a apparu dans les années 2006. Quel est le principe du référencement local ? C'est tout simplement la création d'une fiche, souvent la fiche Google My Business. Je pense que vous voyez à droite avec le logo, le nombre d'avis, les heures d'ouverture, tout ça. Donc, ça a plusieurs intérêts. Ça permet d'être détectable dans des recherches locales, c'est-à-dire quand on est sur mobile, on va chercher par exemple boulangerie. Ben là, si vous êtes sur Google My Business et que vous avez marqué boulangerie, que vous avez une boulangerie, ben vous aurez une possibilité d'être remonté comme boulangerie dans Google Maps. Mais ça va aussi permettre d'avoir être dans l'écosystème de Google et donc de ressortir. Donc, travaillez bien ce référencement local, ça va revenir aussi un peu à du backlink. Essayez d'aller chercher des annuaires, des 118-218, des TomTom, des Wave, des choses comme ça, qui peuvent en fait vous créer des fiches de votre activité, de votre produit, de votre établissement et vous envoyer du jus. Ce qu'il faut savoir, c'est que aujourd'hui, même sur le référencement local, ça va vous permettre de répondre à des requêtes qui ne sont pas brandées. En fait, il y a très peu de requêtes, il y a 20% des requêtes aujourd'hui qui sont boulangerie, avec le nom de la boulangerie, quand on tape sur son téléphone. Aujourd'hui, par contre, il y a 80% des requêtes, ça va être boulangerie Lyon. Et donc, c'est là où c'est important pour vous, si vous êtes boulanger à Lyon, d'être présent sur ce référencement local, c'est que ça va vous permettre de remonter
sur des requêtes découvertes et donc de vous apporter des gens qui ne vous connaissent pas et donc des nouveaux clients et des nouveaux leads. Voici 6 conseils pour optimiser ce référencement local. Donc, c'est important, si vous avez une activité, un magasin, de géolocaliser votre SEO. Donc là, on va reprendre sur le balisage que je vous ai expliqué au début du webinaire, mais en tout cas, rajouter la ville sur laquelle vous travaillez, rajouter l'arrondissement, rajouter le quartier, ça va vous permettre de Google de comprendre que vous êtes positionné sur cette ville-là. Vous êtes à Lyon, par exemple, dans le 2e arrondissement. Ben voilà, n'hésitez pas à l'ajouter dans votre SEO, dans votre page, pour que Google ait une meilleure compréhension et qu'il puisse le proposer aux utilisateurs. Donc voilà, optimiser vos titles et méta-descriptions, ça c'est avec la géolocalisation, c'est assez important. Travaillez bien votre page Google My Business, c'est un outil qui est gratuit, qui permet justement d'être présent, d'avoir des avis, qui permet d'être dans l'écosystème de Google. Donc n'hésitez pas à travailler, il y a des choses un petit peu à connaître, mettre votre descriptif, voilà, des choses comme ça. Mais en tout cas, c'est quelque chose d'assez puissant, donc n'hésitez pas. Soyez présent dans les annuaires locaux. Donc, les annuaires locaux, ça va être les pages blancs, les pages jaunes. Ça va être, comme je vous l'ai dit, d'autres annuaires 118, 218, 118.00, voilà, toutes ces choses-là. Pourquoi ? Parce qu'en fait, Google va aussi regarder tous les annuaires qui existent. Et s'il voit qu'il y a une similarité entre les informations, bah, il va dire que c'est quelqu'un qui a un service de qualité. Ça vous envoie des backlinks et ça vous envoie donc du trafic. Quelque chose qui est un peu technique, c'est les micro-formats. En fait, on appelle ça les schémas.org. C'est donner de l'information dans le code à Google. Si ça vous intéresse, je pourrais vous en dire un peu plus si c'est un peu long là d'en discuter. Mais en fait, c'est des informations assez techniques qui permettent, par exemple, de savoir quelle est la surface de votre magasin, quel est le prix de votre produit, quelle est la station de métro la plus proche. Et en fait, c'est des informations que Google peut venir directement chercher dans le code. Donc, encore une fois, il voit que vous avez fait un effort et il voit que vous avez donné plus d'indications à ces robots, donc ils peuvent vous privilégier. Et encore une fois, donc avec cette fiche Google My Business, encouragez les avis d'internautes. Pourquoi ? Parce qu'on sait qu'aujourd'hui, les avis, c'est super important. Donc voilà, des avis positifs après une vente d'un produit ou d'un service, ça va vous permettre justement d'avoir un meilleur référencement et ça a un véritable impact sur le SEO. Donc voilà, pour focus sur le dernier outil que je vais vous présenter, c'est Google My Business. Ça va vous donner des informations sur l'entreprise, ça va vous permettre d'être visible localement dans Google Maps notamment, mais dans d'autres maps qui existent. Ça va booster votre référencement local, c'est assez simple à mettre en place et ça permet d'obtenir des avis, ces avis qui ont en fait un vrai impact sur le SEO. Voilà, donc là, il y a eu pas mal d'informations, donc je vais répondre à vos questions juste après. Là, je vais vous présenter rapidement Octopulse. Alors, nous, en fait, Octopulse, on est né d'un constat, c'est que d'un côté, il y avait des agences. Je peux vous dire, j'en ai fait 5 ans. Ces agences, elles sont souvent assez élitistes. Pourquoi ? Parce que pour faire un audit, c'est payant. Souvent, on va travailler sur plusieurs mois en étant loqué pendant un mois ou jusqu'à 6 mois avec des fees par mensuel, des choses comme ça. Donc voilà, il existe d'un côté des agences, des très bonnes agences qui font du très bon boulot, mais ça reste un peu élitiste parce que souvent, c'est un peu cher. Et quand on est une start-up, une PME ou un entrepreneur, souvent, on n'a pas les budgets pour pouvoir aller en agence. Donc, il y avait les agences d'un côté pour tout ce qui était amélioration de la visibilité en ligne ou alors les outils qui sont SEMrush, qui sont HomeCrawl, Botify, qui sont des très bons outils, hein, très puissants. Mais souvent, en fait, ces outils ils nécessitent des compétences techniques. C'est-à-dire qu'en fait, ces outils vont être des outils de constat. C'est des outils à 100, 200 euros le mois, mais c'est des outils qui vont vous donner un constat de votre site, quelles sont les choses à faire. Mais en fait, après, si vous n'êtes pas développeur ou si vous n'êtes pas référenceur, ça va être compliqué d'utiliser ces outils pour optimiser votre site. Donc, de ce constat, du manque du fait de, sur ce marché qu'il n'existait pas d'offres, nous, on a développé un outil qui est un audit qui permet, je vais vous envoyer un lien si vous voulez pour tester. Tac. Donc, c'est un outil qui permet justement qui permet d'analyser votre site gratuitement. Vous avez juste à vous connecter sur notre site octopulse.io. Je vous envoie le lien tout de suite. On essaye, c'est un nouveau bouton sur le hop. Voilà, donc voilà, ça vous permet d'aller juste analyser votre site et ça vous permet, donc nous on a un système assez rapide, en 4-5 minutes on va analyser votre site et suite à ça, on va vous dire tout simplement quelle est votre note de mise en conformité que vous avez. Donc il y a deux notes de A à F, le F, bon, c'est bien sûr c'est la moins bonne, et de A. Après vous avez le choix. En fait l'outil vous permet de soit vous faites vous-même les optimisations, on va vous dire que le balisage n'est pas bon, on va vous dire que vous avez du contenu dupliqué, on va vous dire que vos performances sont pas bonnes. Et après vous avez le choix de ou faire appel aux experts Octopulse et nous, en fait, avec l'automatisation, pas mal de choses, on va vous proposer de la mise en conformité
de votre site, ou alors vous passez tout simplement par vous, vous suivez des tutos, des choses comme ça, et vous travaillez votre site pour essayer de remonter cette note afin d'être conforme aux exigences et donc de au moins être conforme et des 30% qui sont importants pour le référencement. Voilà, donc ça c'est juste pour vous expliquer quels sont les modules, donc par exemple le balisage du site, si vous avez des problèmes, on vous explique et on vous dit où sont les erreurs. Chez Octopulse, on va aussi proposer des campagnes de netlinking. Donc nous, tout simplement, c'est par travailler sur l'autorité de votre site. Donc nous, en fait, on a un réseau de 4000 sites qui nous permet en fait d'avoir tous les secteurs, et on va écrire des articles de 800 mots minimum avec une orientation SEO, c'est-à-dire qu'on va prendre les mots-clés sur lesquels c'est important de vous positionner, on va regarder les volumes, on va regarder les indices de concurrence, on va écrire des articles et on va vous envoyer un lien sur votre site qui va permettre justement d'augmenter cette autorité et donc de vous faire augmenter sur Google. On va aussi proposer un outil de référencement local. Tout simplement, on va vous créer et optimiser vos fiches Google My Business avec en optimisant au maximum, parce que nous, on est Google partenaire et voilà, on sait quelles sont les best practices sur cette fiche-là. Et surtout, en fait, on va vous diffuser toutes ces fiches-là, donc ces mêmes informations sur une quinzaine de plateformes. Donc, dedans, vous allez avoir Siri, 118-218, Waze, plusieurs autres plateformes. Et ça va vous permettre justement d'avoir une cohérence sur tout ce qui est référencement local, d'être présent sur toutes les plateformes et donc d'avoir des bons résultats, des clics qui viennent notamment du réseau. De plus, avec ça, vous allez avoir aussi un espace dans Octopulse pour gérer votre réputation. Vous aurez tout simplement, dès qu'il y a un avis qui arrive sur Google My Business, vous allez avoir un pop-up, un message, et vous allez répondre à cet avis. Pourquoi ? Parce qu'en fait, répondre aux avis, ça vous permet, je vais vous donner une petite technique, utiliser des mots-clés qui sont importants dans la réponse. Pourquoi ? Parce que si la personne dit très content du produit, du canapé que j'ai acheté, ben là, en fait, vous allez répondre « Merci pour l'achat de ce canapé en bleu, cuir bleu. J'espère qu'il va vous plaire et qu'il va vous tenir longtemps. » Tout simplement, en fait, Google, s'il voit que dans votre réponse, il y a encore des mots-clés, comme il vient souvent scanner ses résultats, il y a souvent il y a un impact SEO aussi là-dessus. Et enfin, quelque chose qui n'est pas à voir avec le SEO, mais chez Octopulse, on propose des campagnes de référencement payant. Donc, ce sera le but. On a d'autres webinars. Je vous expliquerai plus ce que c'est AdWords et comment fonctionner sur AdWords avec les folies web. Mais voilà, ça permet, nous, en fait, pour nous différencier d'une agence, c'est qu'on propose des campagnes avec une vraie stratégie du monitoring et un reporting à tous les clients dès 200 euros d'achat média. Comment on fonctionne, on prend 15% de commission et on vous fait une stratégie, on monitore et on vous fait un reporting et on vous apporte du trafic qualifié directement. Donc, ce qui est différent avec le SEO, c'est qu'avec AdWords, on est sur de l'acquisition immédiate. On va tout simplement se positionner sur des mots-clés sur lesquels on n'est pas positionné en organique et vous apporter du clic directement sur vos sites. L'outil Octopulse, il permet aussi d'avoir un suivi de position. Donc, qu'est-ce qu'un suivi de position ? Bah, vous avez le droit gratuitement, là, si vous inscrivez sur le site, à avoir 10 mots-clés sur lesquels on va vous dire si vous êtes en 22e position ou si vous êtes en 14e position. Et en fait, on va vous faire un suivi. Nous, toutes les 24 heures, on scrape Google. Merci à Google pour les serveurs et notre partenariat. Mais en fait, on va scraper Google pour justement vous dire si vous êtes… Et en fait, vous allez pouvoir travailler votre contenu, travailler vos optimisations grâce à ce suivi de position. Parce qu'en fait, imaginons sur la requête canapé en cuir bleu, vous êtes en 18e position, vous dire ok, j'aimerais bien monter, je vais faire un article qui parle que des canapés en cuir bleu, d'où viennent les canapés en cuir bleu, quelle est la qualité de ces choses-là. Et suite à ça, vous allez pouvoir voir si vous êtes passé de 17e à 11e position. Ou alors si vous êtes redescendu, vous allez voir si votre campagne de netlinking est atteinte. Donc ça vous permet en fait de savoir où elle en est, votre campagne. Aujourd'hui, donc c'est 10 mots-clés gratuits sur Octopulse. On a aussi une version payante à 500 mots-clés si vous avez vraiment une stratégie de contenu à mettre en place qui vaut 19 euros par mois et qui permet justement de tester sur 500 mots-clés tous les 24 heures, savoir où vous en êtes. Et enfin, on va aussi avoir un outil d'évaluation de vos concurrents. Donc, nous, en fonction de votre activité, de votre secteur, de votre univers sémantique, on va aller voir quels sont les concurrents qui sont proches de votre secteur et on va auditer aussi leur site pour savoir s'ils sont plus conformes que vous afin que vous ayez une meilleure vision de vos concurrents. Voilà, donc ça, c'est juste pour vous montrer qu'on a vraiment tout un panel de clients. Aujourd'hui, on a fêté notre 400e client la semaine dernière. On a des clients très gros comme Réseaucar qui font plus de 2 millions de visiteurs uniques par mois sur leur site. Mais on a aussi le plombier Gentleman qui est un plombier à Lille qui fait, lui, 400 visites, mais voilà, qui a besoin de visibilité. Donc, nous, notre offre, au début, elle était vraiment focus
sur des gens comme vous, entrepreneurs, start-up, PME, TPE, parce que voilà, c'était vraiment ça le constat. Il s'avère que notre technologie qu'on met en place, elle travaille aussi pour les plus gros sites. Donc aujourd'hui, voilà, on a plusieurs clients qui nous font confiance. Mais alors, n'hésitez pas à venir au moins vous inscrire sur le site. Voilà, merci beaucoup d'avoir écouté. Maintenant, je vais répondre à vos questions. Je vais prendre les questions qui ont été mises dans les questions au début. Hop. Et après, je reviendrai sur le chat. Donc, Eve, vaut-il mieux faire un article sur son site puis copier-coller sur LinkedIn ou faut-il faire les deux articles différents? Alors, idéalement, c'est une très bonne question. Idéalement, je vous dirais de faire deux articles différents. Après, il faut savoir que LinkedIn, c'est pas scrappé comme un web, comme un site par Google. LinkedIn, ça reste un social media. Donc, vous pouvez prendre un petit bout, mais par contre, il faut citer la source dans LinkedIn. Citer votre site, des choses comme ça. Mais après, je proposerais quand même de faire deux articles différents, c'est mieux, parce que si Google passe et qu'il voit qu'il y a du duplicate content, c'est pas ce qu'il va préférer, mais voilà. Donc, le mieux, c'est d'avoir son article et après, d'avoir peut-être des petits bouts d'articles sur LinkedIn pour justement le mettre en avant. Comment fait-on l'info visiteur cookie programme? Alors, Amaya, c'est une bonne question. Il faut tout simplement, en fait, quand vous allez installer Google Analytics, vous allez avoir directement le plugin qui se met automatiquement avec, vous savez, quand vous faites accepter sur tous les sites quand vous allez, c'est ce plugin qui se met en place. Pouvez-vous, s'il vous plaît, préciser ce qu'est qu'un contenu, Sophie? Pouvez-vous, s'il vous plaît, préciser ce qu'est qu'un contenu dupliqué? Donc, un contenu dupliqué, c'est tout simplement faire copier-coller d'un autre site et qui va aller sur votre site. En fait, tout simplement, Google, comme il va voir qu'il y a une source qui est plus vieille que vous, qui est antérieure, et que vous avez pris le même contenu, il va voir que vous n'apportez pas de valeur ajoutée au web. Et donc là, il risque de vous blacklister. Donc, ne faites pas surtout de contenu dupliqué. Peut-on analyser ces paramètres de site, Frédéric? Je vous ai répondu. Via l'application Octopus, vous pouvez regarder aussi les sites des concurrents et voir s'ils sont conformes. Mouna, faut-il refaire fréquemment des recherches de requêtes et modifier son site ou bien c'est plutôt une one shot? Alors Mouna, c'est une très bonne question. Alors c'est sûr que le SEO, comme je vous l'ai dit, c'est pas quelque chose qui va se faire en une semaine. Donc c'est mieux quand même de rester un petit peu stable sur les requêtes sur lesquelles on souhaite se positionner. Après par contre, faire des recherches sur des requêtes potentielles et des volumes potentiels qui existent, oui, ça c'est important et ça peut avoir et c'est toujours bien de regarder. Mais voilà, n'hésitez pas à créer des pages supplémentaires. Vous allez augmenter votre coupon sémantique, vous allez augmenter votre univers sémantique sans tout le temps non plus changer votre home page tous les deux jours parce que voilà, c'est trop c'est Google n'aura pas eu le temps de vous indexer et vous allez perdre les bienfaits de ce travail là-dessus. Dernièrement, Google a annoncé la mine qu'ils vont arrêter les mots-clés longue traîne pour le SEO. Est-ce que ça va impacter dans le SEO? Là, vous m'avez bouché un coin parce que même si depuis une semaine ou deux, en fait, Google AdWords a vraiment baissé les prix et a fait beaucoup plus de possibilités sur AdWords pendant le confinement et notamment pendant le Covid. Là, depuis une semaine ou deux, je vois que je repaye bien plus cher les clics et tout, mais je suis pas sûr qu'on va arrêter la longue traîne sur le SEA. Pourquoi? Parce que eux, ils ont pas d'intérêt à que t'aies moins de requêtes. Pourquoi? Parce que faut savoir que 80% du business de Google, c'est AdWords. Gmail, tout ça, ça reste un petit, ils ont plein de services, mais 80% de leur chiffre d'affaires, ça vient d'AdWords. Donc aujourd'hui, je suis pas sûr qu'ils vont arrêter la longue traîne, mais c'est sûr que si potentiellement ils réduisent la longue traîne, c'est-à-dire qu'on aura encore plus d'impact pour le SEO sur cette longue traîne-là, donc il faudra essayer d'être encore plus efficace sur ces requêtes. Mouna, est-ce que Google favorise l'entreprise qui paye de la pub face à celles qui font uniquement du SEO? Ça, c'est une question à 2000 euros. Normalement, Google te dira toujours non, ça n'existe pas. Aujourd'hui, il est vrai que j'ai remarqué qu'en fait, on appelle un petit peu ça le cercle vertueux de Google AdWords. Une entreprise qui va faire une campagne AdWords qui va se positionner sur des mots-clés, par exemple, je vais reprendre toujours le même, canapé en cuir bleu, et en fait, Google va voir, donc c'est une requête payante, le client va cliquer sur la pub, et il va voir que l'utilisateur est resté longtemps sur le site, il est resté 3 minutes, il a regardé 4 pages, il a ajouté le truc dans son caddie, le canapé, bon, il n'a pas acheté, mais il est revenu après. Donc, en fait, il va voir que l'utilisateur est content de cette requête. Donc, obligatoirement, Google, il n'est pas bête, il sait que même si c'était du AdWords, il pourrait faire la même chose pour de l'organique. Donc, oui, il y a un impact. Après, les gens de chez Google ne te diront jamais ça pour pas montrer qu'il y a des gens qui peuvent être désavantagés par rapport à d'autres.
Comment et où trouver les critères de Google pour le référencement? Comment et où trouver les critères de Google pour les référencements? Alors, il y a des critères qu'on connaît. Après, ce qu'il faut savoir, c'est que l'algo de Google, il a changé 2400 fois sur l'année 2019. Donc, il n'y a personne au monde qui peut te dire « j'ai la réponse, Jackie, pour tous les résultats ». Après, il faut suivre des influenceurs. Il y a des influenceurs de chez Google qui font pas mal d'infos. Vous pouvez aussi, notamment, rien que faire l'optimisation, l'audit sur Octopus. Nous, on a à peu près 140 points de contrôle. Il y en a qui sont ajoutés un peu fréquemment. Il faut suivre les influenceurs, suivez voilà, les abondances qui sont des très bonnes lettres sur le SEO, Eskimo, ces choses-là qui font des très bonnes lettres aussi, et suivez les influenceurs pour savoir ce qui se passe dessus. Radia, je vous propose de parler sur le chat dessus. Alors, je vais prendre les questions sur le chat. Bonjour Simon. Si je corrige les erreurs de mon site, est-ce que cela va avoir un impact sur mon référencement local Google Maps? Pas initialement. Après, oui, si vous allez rajouter la géolocalisation dans ces erreurs que vous n'avez pas faites, par exemple sur les balisages, des choses comme ça, oui, ça aura un impact sur le référencement local. Après, le référencement local, c'est vraiment une part, vraiment à part, parce qu'il y a cette fiche Google My Business, il y a ce TomTom, il y a Waze, il y a toutes ces choses-là. Donc, c'est vraiment quand même une prestation et une chose qui est à part. Mais oui, par contre, vous pouvez travailler notamment la géolocalisation dans vos titles, dans vos métadescriptions, pour essayer de travailler votre référencement local. Mais par contre, il ne faut pas passer à côté de cette fiche Google My Business qui est très importante. Sophie, par rapport aux mots-clés, donc il vaut mieux mettre produit pas cher un peu partout. Non, ça va être un peu gros de mettre Sophie, mettre produit pas cher un peu partout, parce que vous n'êtes pas le seul à penser à ça. Mais il faut plutôt aller rechercher de la longue traîne. C'était juste un exemple que j'ai donné pour, parce que j'ai pas trouvé mieux. Mais en fait, il faut aller chercher plutôt des mots-clés un peu plus précis que produit pas cher. Sam, combien de budget recommencez-vous pour une campagne plus efficace? Merci par avance. Alors, en fait, ça va vraiment dépendre du nombre de produits, du nombre de services, du nombre de choses que vous voulez mettre en avant. Nous, on commence les campagnes dès 200 euros d'achat média. C'est sûr que c'est un budget à 6 euros par jour. Vous n'allez pas avoir 800 clics par jour grâce à 6 euros. Vous allez avoir une vingtaine, trentaine de clics en fonction du secteur et des choses-là. Donc, pour commencer, c'est bien de commencer sur des petits budgets. Si on voit que c'est scalable et que vous arrivez bien sur AdWords, tout simplement, vous pouvez monitorer, augmenter le budget et si c'est horiste, voilà. Après, moi, j'aime bien commencer avec des budgets un peu conséquents quand même pour pouvoir un peu avoir de la data, des choses comme ça. Mais aujourd'hui, il n'y a pas de réponse à un budget recommandable. Vincent, quelle répartition de backlink préconises-tu en termes de profondeur de page? C'est une très bonne question. Ça dépend du site. Nous, on va aller regarder, on va aller étudier le trust flow, on va aller étudier le citation flow. Et en fonction de ça, on va envoyer en fonction du nombre de services. Moi, j'aime bien envoyer, comme tu l'as dit, pas mal sur la home page, pas mal sur les pages produits, les landings. Après, il va falloir regarder la structure. Donc, il n'y a pas vraiment de réponse pour tous les sites. C'est un petit peu unique à chacun des sites. Merci, Luc. Il faut-il faire du SEO et du LinkedIn en même temps ou séparément? Il vaut mieux le faire en même temps parce que, en fait, tout simplement, le SEO mise en conformité va aller travailler sur votre conformité technique et le netlinking va aller travailler sur votre autorité. Donc, il y a matière à travailler les deux en même temps sans aucun souci. Natacha, je donne mon site sur le jour le dernier, mais je n'ai toujours pas reçu le lien de validation d'inscription. Je suis désolé, je ne vais pas répondre à tout le monde sur les problématiques sur le site. Je pense qu'il y a eu beaucoup de connexions d'un coup. Envoyez, il y a un petit chat sur le truc, on répondra à tout le monde dans la journée, à les personnes de chez Octopus. Merci Hélène, super webinar. Merci les Folies Web. Vincent, le Monnier, la position est-elle vraiment intéressante dans la série? Vincent, c'est une très bonne question encore. Comment indiquer-je ne pas déclencher cette affiche pour une... Alors, la position zéro, elle est énorme parce que elle permet vraiment de remonter en première position et surtout d'avoir des 5-click extension, en fait, donc des petites réponses assez précises sur des questions propres. Donc, moi, je trouve ça très puissant. Après, aujourd'hui, c'est assez compliqué de dire à Google, et notamment sur la Google Search Console, on peut, par exemple, faire du nofollow, de désindexer une page si on ne veut pas qu'elle soit là. Après, si Vincent, vous êtes en position zéro, je vous conseille de la garder parce que c'est quelque chose qui est du pain béni et ça va vous permettre de faire. Merci Frédéric. Non, je ne fume pas Frédéric pourtant, mais j'ai une voix un peu rauque. Ouais. Mélanie, merci. Merci Radia, merci Isabelle. Merci tout le monde. Donc, je ne sais pas si j'aurais pu répondre à toutes les questions, mais on a fini le webinar.
En tout cas, merci beaucoup. N'hésitez pas si vous avez des questions, on est disponible. Merci au FolieWeb pour l'organisation encore une fois. Et en tout cas, à bientôt. N'hésitez pas à répondre au questionnaire de satisfaction. Et voilà. En tout cas, merci beaucoup. C'était très agréable et je vous dis à bientôt. Je crois que je suis tout seul. Donc, Eve, ouais, j'ai trouvé mon canapé bleu. Tout à fait. Ouais. Merci beaucoup. Au revoir. À bientôt.